Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui unboxing avec la boutique Gutfeld. Alors aujourd'hui il y a du diamond painting, un kit et deux kits de broderie. Voilà, pas de gros kits, des petits pour une fois. Voilà, donc je vais commencer par les kits. Voilà. Je vais me mettre, je vais déjà vous montrer comme ça les pochettes. Voilà, donc ça c'est les fleurs du mois, vous commencez à connaître, hein, on en voit passer très souvent sur les chaînes, sur YouTube. Celle-ci c'est celle du mois d'octobre. Alors la fleur, ça ressemble à un souci, je pense que c'est un souci. Voilà, donc ça, c'est celle du mois d'octobre. Et le deuxième kit, c'est pareil, c'est un petit aussi. Voilà, c'est sur le thème du café. Voilà, le moulin à café avec le paquet de café. Voilà, j'ai trouvé assez mignon. Alors, je vais me mettre face bureau pour vous montrer tout ça. Le DP, je vous le montre après. Allez, on commence par les broderies. Je vous montre d'abord la fleur du mois. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un Joy Sunday. Très reconnaissable avec sa pochette. Voilà, et donc derrière la pochette, bon, je le dis à chaque fois, mais vous retrouvez toutes les explications utiles et nécessaires que vous pourriez avoir besoin pour faire votre DP. Donc ici on va retrouver les différents points, point de croix, demi-croix, etc. Ici comment on fait pour broder avec les fils, la toile, comment on peut lire sa grille. Et ici quand vous avez terminé votre toile, comment vous devez la laver et la repasser. Voilà, donc voilà le dessin. Donc c'est un 14 CT. Voilà, donc il va se broder avec deux fils et elle fait 17 sur 17 cm complet. À la base, la toile brodée fait 12 cm sur 12. Voilà. Ici, on va retrouver le patron. Alors, très lisible. Voilà, sur une feuille A4. Mais comme c'est une petite broderie, ça lui suffit largement. Je vous montre au niveau de l'impression. Vous voyez, c'est nickel. Mais bon, la toile va vous servir pour reprendre. Donc, par exemple, ici, vous voyez tous les points arrière, ça, le patron va vous servir à ça. Et ou alors si vous voudriez le refaire en point compté. On a ici nos références couleurs avec les icônes, enfin les... Ça y est, j'ai perdu le mot. Bon, vous avez compris, hein. J'ai perdu le mot. Les symboles, voilà, pardon. Les symboles. Ici, les couleurs DMC, les références. Donc, vous l'avez ici pour le point de croix et ici pour le point arrière. Donc, en tout, on a 9 couleurs. Voilà. Et voici donc notre toile. Vous voyez, elle est toute petite. Il y a un petit fil qui se promène. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va aller vite à faire. Hein. Dans cette série-là, il y en a 12. Et les 12 vont être très faciles à faire. Hein. Il n'y a pas de difficulté. Alors, vous voyez... si, là, les points arrière, on les voit. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ouais, vaut mieux quand même se servir du patron parce que, bon, on va avoir... Une fois que les croix seront mises, on aura du mal à lire les points arrière, mais c'est pas grave. Donc, ici en bas, vous retrouvez les symboles. Alors, les symboles, vous voyez, n'ont pas la même couleur que sur le papier. C'est tout à fait normal, hein. Les références couleurs sont les mêmes, mais les symboles
Ici, ça correspond au patron papier. Et ici, ça correspond à la toile. Donc, vous avez vos, pour les points de croix ici en bas et ici pour les points arrière. Donc, niveau impression, il n'y a pas de souci. Tout est bien droit. Il n'y a pas de bavure. Il n'y a pas de... Comment? De confetti. Donc, ça va être une toile qui va être assez facile à faire. Hein. Voilà. Et donc, voici les couleurs. Alors, c'est sur une plaquette comme ça. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas. Bon, là, ça va. Il n'y a pas beaucoup de fil. Hein, donc, ça va aller. Vous voyez? Donc, il y a du vert, du orange, du jaune orangé, encore un autre orange. Là, c'est un vert foncé ou marron foncé. Encore du orange. Et ici, un marron, marron glacé. On a nos deux aiguilles. Voilà. Donc, des jolies couleurs, hein, vous voyez. Sont vraiment très belles. Bon, et là il n'y a que un fil de chaque avec 6 brins dedans, donc chaque fil va pouvoir être partagé 3 fois et il y aura assez, hein. Donc voilà pour la première broderie. On va la remettre dans sa pochette. Alors, cette première broderie, donc la fleur du mois d'octobre en 14 CT, elle est au prix de 3,99 €. La deuxième broderie, la voici. Alors ici, c'est toujours une 14 CT, donc deux fils pour broder. Par contre, la taille, là, c'est une 22-27 cm. Et donc, c'est la Kofi 2. Donc, il doit y en avoir une autre. Il faudra que je regarde quand je choisirai d'autres kits pour avoir la Kofi 1. Voilà, je ne sais pas s'il y en a encore d'autres après, par contre. Alors, je vous montre tout ça. Toujours la même pochette, hein. Bon, je ne vous explique pas. De toute façon, c'est du Dieu Sunday. Allez, tu viens pas, voilà, donc je vous remontre sans le plastique, avec un petit muffin là, miam miam miam. On va avoir le patron sur une feuille de papier glacé, voilà le début. Donc niveau impression, c'est toujours nickel, hein. Pas de souci, il n'y a pas de confetti, non, c'est surtout des blocs, peut-être un tout petit peu là, mais alors j'appelle pas ça les confettis, hein. Et la toile, la voici. Alors le dessin en lui-même, alors la toile, je vous ai dit la taille, c'est-à-dire 22 sur 27, mais le dessin, alors, le dessin fait 17,5 sur 19,5. Voilà. Donc, on va avoir... Alors, on a du... Sur les références. Du point de croix. Alors, on a quand même 41 couleurs, hein, pour une petite broderie comme ça. Donc, on a quand même 41 couleurs. Donc, 42 même. 42. Et ici, ce sera pour le point arrière. Voilà. Donc, quand même 42 couleurs. Donc, je vous montre l'impression. Vous voyez, bon, c'est pas du confetti, hein. C'est... Ça va, hein.
C'est surtout des petits blocs. Voilà. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, les couleurs. Bah, du coup, comme je disais, il y en a 42. Alors, on va déjà montrer la deuxième plaquette. Du vert, du jaune, un gris très clair, un gris un tout petit, un gris un peu bleuté, du marron, du beige, un autre marron, du bleu, un marron un peu rosé, du blanc. Ça, c'est peut-être. Non, c'est pas le noir, ça. Non. C'est 42. Ah, si, c'est du noir. Excusez-moi. C'est pour faire du point arrière. On a nos deux aiguilles là. Donc là, ce sont des aiguilles fines pointues puisque c'est du 14 CT. Et encore les couleurs. Voilà. Voyez, elles sont super belles. Il y a une grosse gamme de marron. Les verts, il y en a plusieurs aussi. Et les dernières, les voilà. Allez, voilà. Du bleu, du vert, du violet, du parme, du bleu. Encore du vert, vous voyez, il y a quand même beaucoup de verts différents et de marrons différents. Voilà. Très, très jolie couleur. Bon, c'est pareil, hein, il y a quoi? Un fil ou deux à chaque fois. Mais comme c'est une petite broderie avec beaucoup de couleurs, il nous faut pas beaucoup de fil par couleur. Donc voilà. Alors, celle-ci. Le kit café, donc, elle est à 5,99 €. Et pour terminer, le kit de DP, voilà. Alors, vous pouvez voir déjà à travers, ça vous donne déjà une petite idée. Bon, je vous montre tout de suite le kit pour une fois parce qu'il est vraiment très joli. Voilà, mais plein d'animaux. Alors, on a le rhinocéros, un petit lion, un petit tigre, un bébé tigre, on dirait, un panda. Un toucan, là il y en a un autre, l'éléphant. Ensuite, alors attendez, j'essaye de vous montrer au mieux sans que ça brille. Là il y a un singe, la girafe, le koala, des petites, c'est pas des perruches, c'est les, oh, je sais plus. Encore un singe et un zèbre. Voilà, c'est l'arche de Noé. alors, c'est un 50-50 en perles rondes avec 24 couleurs. Voilà. Et ici en haut, vous retrouvez le petit dessin, mais je vous mettrai l'image, hein, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, avec, on a le petit toolkit, hein, comme d'habitude. Et on a les perles rondes. Voilà. En chapelet. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Bleu,
gris. Un joli rose. Couleur vanille. Un vert foncé. Un violet. Du kaki. Un orange, encore un bleu, un couleur rouille, ça c'est un bleu marine, toujours du bleu. Bordeaux, ça c'est encore un bleu marine, du rose pâle, un petit vert pomme, voilà, un jaune. Et pour terminer, un autre bleu. Voilà. Ah, il y en a encore un là. C'est un marron. Donc voilà, toutes les couleurs. Je vais ranger après. Donc ce kit, je vous rappelle, c'est un 50-50 taille entière. Le dessin en lui-même fait 44 sur 44. Oh, excusez-moi, vous floutez. Voilà, pardon. Le dessin lui-même fait 44 sur 44, donc perle ronde. Et il est au prix de 10,99 €. Voilà, je crois qu'il va être magnifique celui-là. Bon, par contre, je vais lui donner un petit coup de fer quand on sera pour le faire. Parce que là, il n'est pas abîmé. Hein, c'est juste avec le pli de l'enroulage. Je vous montre l'impression. Voyez, nickel, colle, ça colle, donc pas de souci. Ouais, il va être très beau, très coloré. C'est Chouchou qui va le faire. Et puis voilà. Mais vous l'auriez deviné. Donc voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, donc je vous aurais montré ce DP, ce kit, et hop, je prends l'image là parce que je ne l'ai pas rangé, et celui-ci. Voilà, donc tout ceci, vous le retrouvez dans la boutique Gutfeld. Je vais vous remettre en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des articles directs pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon choix. Est-ce que vous aimez, vous n'aimez pas, dites-moi. Voilà, j'aime bien savoir. Et un grand merci à la boutique Gutfeld pour leur gentillesse et leur générosité. Comme d'habitude, il n'y a eu aucun souci. Je ne vous ai pas parlé de la livraison. La livraison, donc, on avait fait ça le 27 août. On est le 10. On est dans les délais, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et nous, maintenant, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.